Les filles, où êtes-vous ? Aujourd'hui, nous allons parler d'une ancienne divinité qui, à l'époque de la christianisation de l'Europe, a été assimilée de nombreuses fois à Satan. Bien qu'ils se ressemblent, ils n'ont pourtant rien à voir entre eux. Nous allons donc parler de Pan. Adoré en Arcadie, Pan est une divinité de la mythologie grecque. Dieu de la nature, des bergers, protecteur des troupeaux et des peuples vivant dans les forêts et les prairies. Il a une apparence hybride, mi-homme, mi-bouc, tels les faunes de la mythologie romaine et les satyres de la mythologie grecque. Barbu, les jambes et pieds de chèvre et une paire de cornes. C'est une divinité qui aime beaucoup les femmes. Il a une sexualité débridée et il est très bon musicien. Il habite dans les forêts, près des cavernes ou dans les montagnes et aime passer du bon temps avec les nymphes. Nous ne sommes pas sûrs de l'identité de ses parents. C'est un petit peu le bazar. Pan pourrait être le fils de Zeus, roi des dieux et dieu de la foudre, et de Callisto, une magnifique nymphe. On dit aussi qu'il pourrait être le fils d'Hermès, le messager des dieux, et de Pénélope, ou d'Ulysse et Pénélope, ou encore d'Apollon et Pénélope. Mais, dans l'hymne de Pan, présent dans les hymnes homériques, un recueil de poèmes dédiés à un dieu grec à chaque fois, on parle de l'histoire de Pan, fils d'Hermès et de la fille du héros Dryope. Il est d'ailleurs dit qu'à sa naissance, il était si laid que sa mère prit peur et s'enfuit, l'abandonnant. Son père l'emmena sur le mont Olympe, et là-bas, il fit rire tous les dieux. Tous. C'est de là que viendrait le nom Pan, qui signifie « tout » en grec. N'étant pas spécialement beau, de par sa moitié chèvre, il terrifie les gens lorsqu'il se montre, provoquant une peur panique. C'est d'ailleurs de là que vient ce mot, panique. Pourtant, il fut une divinité plutôt adorée. Son culte, originaire d'Arcadie, finit par s'étendre de plus en plus à Trézène, à Erésinous, à Argolide, à Oropus et même à Athènes, car il aurait joué un rôle très important dans la bataille de Marathon en effrayant les Médès, un ancien peuple iranien. Ce qui permit à Pan d'étendre sa notoriété. Par la suite, son culte fut associé à celui de la Grande Mer. Puis, plus tard, il entra dans le cortège de Dionysos. On lui offrait divers sacrifices et offrandes. Boucs, agneaux, voire même des vaches, du lait, du mou ou encore du miel. Les Romains identifièrent Pan à Sylvanus ou encore à Faunus, qui apparaissent comme les chefs des Sylvains et des Faunes. Progressivement, Pan devint un dieu universel, le grand principe régulateur, le premier principe de l'amour, ou créateur incorporé dans la matière universelle et formant ainsi le monde. Pan fut dès lors perçu comme le tout, le pouvoir générateur de l'univers, la source et l'origine de toute chose. Malheureusement, avec l'avènement du christianisme et du dieu unique, un dieu de tout, moteur de la vie, mi-homme, mi-bouc, ça plaît pas trop, si bien qu'ils ont fait en sorte de l'assimiler à notre bon vieux Satan. Pan était un symbole du paganisme, et le transformer en méchant allait permettre plus facilement l'ascension du christianisme. Certains pensent d'ailleurs que la phrase « Le grand Pan est mort ! Le grand Pan est mort !» entendu, selon Plutarque, par un navigateur du nom de Thamos sur son bateau, cette phrase serait un stratagème de l'Église pour faire croire au peuple que le grand Pan était mort et les inciter à se tourner vers un nouveau dieu, le dieu unique. Pour certains démonologues, Pan n'est pas évidemment le même que Satan et il serait devenu, après sa chute, le prince des incubes. Si vous ne savez pas ce qu'est un incube, je vous invite à aller voir la vidéo sur les succubes et les incubes. Ce grade est plutôt logique, vu sa passion pour le sexe. En effet, Pan est un coureur de jupons. Il aime courir après les nymphes, après les bergers et les bergères, et oui, il est bi. Il était même pris parfois, sous l'influence néoplatonicienne, pour un dieu de la fécondité et de la puissance sexuelle. S'il passait son temps à faire des galipettes, c'est, je pense, à cause de sa misère en amour. En effet, nombreuses étaient les nymphes qu'il courtisait, mais qui lui ont mis un râteau. La nymphe Écho, qui de sa voix charmait tous les hommes, en a fait les frais. Elle fut mise en pièces et éparpillée sur toute la terre par les bergers, excités par Pan.
ou encore la nymphe Syrinx qui a préféré se changer en roseau pour lui échapper. Pan, déçu, coupa les roseaux et en fit un instrument, que nous appelons la Syrinx ou plus communément la flûte de Pan. D'ailleurs, cette flûte a des pouvoirs. Elle favorise l'accouplement des chevaux, la pousse de l'herbe et la lactation du lait. Mais aussi, et ça c'est bien pratique, grâce au son de sa flûte, plus aucune nymphe lui résiste. Du coup, à cause de cette flûte, je ne connais pas trop la chronologie de ses amourettes, car il eut quand même un petit peu de chance en amour. Avec le berger Daphnis, avec la nymphe Euphénée, qui lui donna pour fils Crotos, qui devint d'ailleurs la constellation du Sagittaire, ou encore avec la personnification de la lune, la déesse Sélénée, qui se laissa séduire en acceptant un troupeau de bœufs blancs. Je vous disais tout à l'heure qu'il était musicien. Il inventa des instruments, dont la flûte de Pan, et, selon le poète Ovide, fier de son succès, il osa affronter Apollon et sa lyre dans un duel musical, arbitré par Tmolos, le roi de Lydie. Malheureusement pour Pan, Tmolos jugea que le son de la lyre l'emportait sur le son de la flûte de Pan. Qu'on récapitule, Pan était donc un dieu relativement bon, joyeux, qui aimait s'amuser, qui protégeait le bétail et les bergers bergères, mais qui aimait un petit peu trop le sexe, qui était un petit peu violeur, on va pas se le cacher, et qui aimait faire peur. De petite divinité du berger, il évolua en grande divinité de la nature et du grand tout. Et pour ne finir que comme simple démon. Belle ascension qui se termine par une triste chute. On peut dire encore une fois, merci le christianisme. C'est ainsi que se termine cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à la liker, à commenter, à vous abonner et surtout à la partager pour que la chaîne puisse s'agrandir. Vous pouvez faire un don ou regarder des pubs ou des clips sur Tipeee et Utip pour participer au développement de la chaîne. Bref, merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine.